Alors, on va reprendre doucement. Dans le cinquième chapitre, le chapitre 5. Donc, de quoi on parle ? On parle de le sujet de la porte, puisqu'on a eu quand même des vacances entre-temps, qui est le Seder Atiut, c'est-à-dire l'ordre par lequel les Séphirot sont émanés dans ce qu'on appelle la Atiut, c'est-à-dire l'émanation, le premier des mondes. Donc on a vu ça longuement dans le chapitre 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et là, où est-ce qu'on en est ? On en est maintenant un Zohar qui dit, qui résume tout ça. Et ce Zohar, on avait déjà commencé à l'expliquer, et on va le reprendre, et on va faire l'explication entière. Alors, je lui ai dit, c'est un Zohar dans Parashat Tazria, parce que là-bas, le Zohar, il a une question technique. Parce que dans Tazria, il y a marqué « Isha ki Tazria veyalda zachar » une femme qui va ensemencer et elle aura un garçon. Alors le Zohar il dit, mais si c'est aussi mécanique que ça, alors il fait quoi le patron ? Alors Zohar a dit, pour t'expliquer ça, il faut que je t'explique comment ça fonctionne en général, le fait qu'une chose elle arrive à son terme. Et donc, le Zohar il a dit là-bas, Amar Rabbi Abba, au nom de Rabbi Abba, que tout ça est contenu dans un verset. Ma dans les psaumes, ma rabu ma secha Hashem, kulam bechorma asita. Combien est-ce qu'elles sont grandes tes actions Hashem, kulam bechorma, toutes dans la sagesse, asita tu les as faites, mal'a a res kinyanecha, et la terre est pleine de tes propriétés. Et ce verset, on va l'expliquer. Kama Sagihin, donc c'est ça c'est page Samer et colonne de gauche, c'est le Zohar. Kama Sagihin, Ovdahu, des Marekadisha. Combien sont grandes les actions? Combien sont grandes les actions du roi? Vekulehu, Setimin, Behorma, et elles sont toutes cachées dans Horma. Parce qu'en fin de compte, tout dépend de Horma. Le Harizal, il va expliquer ça longuement. C'est-à-dire, tout est lié dans Horma. Tout. Enfin, c'est la racine de tout. Donc, tout ce qu'on veut faire maintenant, c'est lire le verset mot à mot. Marabou, Masecha, Hashem, combien est-ce qu'elles sont grandes tes actions? Kulam, Bechorma. Et donc, c'est ce que le verset nous dit. Adaudirtiv, Kulam, Bechorma, Asita. Toutes dans Chorma, tu les as faites. Alors, ça rajoute quoi que Kulam, Bechorma, Asita? Kulam bechorma kelidan. Elles sont toutes totalisées dans la chorma. Velo nafkin leba. Mais dans la chorma, elles ne peuvent pas sortir vers l'extérieur. Et là, bejvilin yedian. Si ce n'est par des sentiers qui sont connus, les gabé bina vers la bina. Donc, kulam bechorma. Elles sont toutes dans chorma. Asita. C'est-à-dire que maintenant, ça passe dans bina. Que va dire le Zohar? Ou mitama nita vedu kula, vitaknu kula. Et de là-bas, elles sont toutes faites, et elles sont toutes arrangées et organisées, comme il est écrit, ou bezvuna yid konen, parce que dans la tevuna, c'est arrangé. Comment on passe de bina tevuna? On avait déjà répondu à cette question dans le cours précédent. En gros, la chorma, ça serait presque la matière et la bina, c'est ça qui va former. Ve'alda, et c'est pour ça qu'il faut donc couper le verset en deux. Kulam bechorma, elles sont toutes de chorma, asita dans bina. Parce que le fait qu'une chose elle soit là et le fait que maintenant on va la passer ou elle va se transformer en action, c'est une deuxième étape. Donc on a chorma étape numéro 1. Bina, étape numéro 2. La suite du verset, Malea Aretz, et la terre, elle est pleine. La terre, c'est-à-dire, c'est l'endroit où maintenant ces actions vont être faites. Parce qu'il y a, le fait de faire l'action et il y a là où est-ce qu'on le fait. Et donc, et c'est quoi cette terre? Et c'est quoi Aretz? Ben,
Knesset Israël, ça c'est l'assemblée d'Israël. On avait vu là-bas du Zohar, ça veut dire quoi? L'assemblée d'Israël, c'est la malchoute en tant que c'est le lieu où les choses sont rassemblées. Des mitaman itmale mikula, parce que c'est de là-bas que ça a été rempli de tout. Alors, le Rama qui veut comprendre ici que le verset ne dit pas, mais que le Zohar dit, c'est qu'il y a une autre étape. C'est que c'est d'abord Chorma, Bina, et Tiferet, ça va être un peu comme le canal, on va voir, même c'est comme un fleuve, qui va déverser les choses dans Malchut. Et comme il est écrit, Kol anechalim olchim elayam, tous les fleuves vont à la mer, Veayam eneno male, mais la mer n'est pas remplie. Donc la mer, c'est la Malchut, la mer, l'endroit MER, la mer c'est la Malchut, et le fleuve, ce sont en gros tous les affluents, tous les fleuves qui proviennent de Tiferet. Comme si Tiferet c'était un fleuve avec des affluents, et ce fleuve va se déverser dans la mer. Itmale Mikula, et donc c'est rempli de tout, comme il est écrit, je répète, Kolane Khali Molchim Elayam. Et Kinyanecha, ça rajoute quoi maintenant que on a dit Mal'a Aref Kinyanecha, de ta possession, Dehi Afikat Lun Levata, parce qu'elle les fait sortir après. Comme il est écrit, Hele Toldot Hashamahim Ve'arez Behiberam, voici les enfantements des cieux et de la terre, lorsqu'il les a créés. Behiberam, c'est connu dans le Midrash, on coupe le verbe en deux. Behiberam, il les a créés avec le he. Donc ça descend dans un he. Ou beginkar, malhares kinanicha, et c'est pour ça qu'il a écrit, c'est pour ça qu'il est écrit que la terre est pleine de tes acquisitions. Voilà le Zohar. Nous, on avait expliqué ça, et on reprend Samervav sur deux choses. On va reprendre juste un petit peu plus haut l'explication de Knesset Israël. Pourquoi? Parce qu'il a dit que tout cela allait se déverser dans ce qu'on appelle l'Assemblée d'Israël. Alors, Pirujda, que en gros, Yefchar les Malettes. Alors il dit, parce que, pourquoi le Zohar, il va ici appeler ça l'Assemblée d'Israël, qui a Aretz, Nikra ou Nikret Malchut, Bebechinata Amekabelet Minatiferet. Alors, on revient toujours à notre histoire. Si on veut dire Malchut, on dit Malchut. Quand on dit Aretz, c'est un surnom de la Malchut, mais qui va désigner quelque chose de particulier dans la Malchut. C'est pour ça que Malchut, elle pourra avoir plusieurs noms. C'est tout ça notre problème qu'on a dans la porte 23. Donc, la terre, c'est la Malchut en tant qu'elle reçoit de Tiferet. Chez Zehu Knesset à Mekabelet, parce que c'est l'assemblée qui reçoit et qui va assembler d'Israël qui est Tiferet. Donc quand on dit que la Malchut s'appelle l'assemblée d'Israël, ça veut dire qu'elle rassemble ce qu'elle reçoit d'un degré qui s'appelle Israël, qui est lui-même Tiferet. Et donc, parce que la Malchut, elle peut avoir plusieurs noms. On a vu ça plusieurs fois. On peut l'appeler le champ, on peut l'appeler la terre, on peut l'appeler la mer, comme on verra plus tard. V'chen ha'aretz, et de même la terre, mekabelet mina shamaim va'aretz, elle reçoit aussi des cieux et de la terre, qui sont Tiferet et Malchut Kanoda, qui sont Tiferet et Malchut, comme on sait. Alors, c'est un peu complexe ça. Pourquoi? Parce que du coup, la terre, c'est à la fois Malchut, c'est à la fois Eretz, et c'est à la fois. Parce que quand il dit comme ça, Vechen Aretz, Mekabelet Mina Shamaim, Veshamaim Veharetz, et quand on dit les cieux et la terre, c'est Tiferet et Malchut. Nimsa, Bechinata Hanikra Aretz. Et donc, elle a maintenant un aspect qui s'appelle terre. Ou Bechinata, Nikret, Knesset, Israël, et un aspect qui s'appelle Knesset, Israël.
Akol davar echad, et tout ça, effectivement, ça désigne la même chose, mais selon des modalités différentes. Ou shnehem besod kabbalata min la tiferet, mais dans les deux cas, ça indique la malchut en tant qu'elle reçoit le tiferet. On s'était arrêté là précédemment. Ou magamata shnehema malaret, et donc, puisque le verset dit maintenant que la terre, elle est emplie, qui a milou shelaret, parce que c'est quoi cet emplissement de la terre? M anechali manishpa'i melea, ce sont les fleuves qui vont se déverser en elle. Vehem em aketsavot ayotsot minabina. Et donc ce sont quoi? Ce sont les extrémités qui vont sortir de Bina. Anafim magbilim shorshem u motsiim bemalchut perimaseu. Ce sont comme des branches qui vont recevoir de leurs racines et qui vont faire sortir dans la malchut les fruits de leurs actes. C'est toujours pareil. C'est que s'il n'y a pas un degré où la chose, elle ne produit pas un fruit, c'est rien. J'ai eu une grande discussion avec ça, sur ça avec mon frère avant Shabbat. Il me dit, oui, mais c'est vrai. Il dit, si tu as un arbre, alors tu vas t'interroger comment il est fait, comment il reçoit sa nourriture, et tu vas mesurer les feuilles, et tu vas mesurer le vent et les compositions chimiques, tout ce que tu veux. Mais Tarles, l'arbre, s'il ne donne pas un fruit, alors ça ne sert à rien. Le but, c'est que ça donne un fruit. Et tant que tu n'es pas arrivé au niveau où la chose, elle est fertile, où elle va donner un fruit, eh ben, tu es passé à côté de la chose. Donc c'est ce degré-là. C'est ce dernier degré qui est important, et c'est ce degré-là qui est appelé le degré qui est rempli. Vezé chez Amar, et c'est ça que le Zohar, il a dit, des mitaman, c'est-à-dire depuis là-bas, c'est-à-dire quoi? Depuis la Bina. I mitmalehet mikula, elle est maintenant emplie de tout, c'est-à-dire pirouche mikol anechalim, de tous les fleuves qui sont donc le troisième degré. Pourquoi trois degrés? Parce qu'on avait chorma, le lieu où les choses elles sont cachées, bina, le lieu où les choses elles vont maintenant se dévoiler, et tiferet, le lieu où les choses elles vont passer. Et le hé, le lieu où les choses elles vont s'accomplir. Et si vous faites ça, vous avez Yudke Vafke. Vous avez du coup un mode de 4. Vichriya Rainyan, et le Zohar il a appuyé ses dires, d'un verset qui dit Kol anechalim olchim elayam, tous les fleuves vont à la mer. Veayam heneno male, mais la mer n'est pas emplie. C'est-à-dire, nire chez Milouyou, pardon, nire chez Milouyam, c'est ce qui veut dire que la mer, elle se remplit comment? Ou aliédé à Nechalim, elle se remplit par les fleuves, chehem aketsavot, qui sont les extrémités, anichlalim banachal agadol, qui vont être totalisés dans le grand fleuve, qui est le fleuve de Tiferet. Alors vous allez me dire aussi que la mer, elle peut recevoir ses eaux de la pluie. Très bonne question. Mais quand la mer, elle reçoit les eaux de la pluie, en général, c'est la condensation de l'eau de la mer qui forme des nuages et qui va se retransformer en eau qui retombe dans la mer. Les pluies, elles peuvent former à la limite un lac, mais elles ne peuvent pas former la mer. La mer, il faut qu'il y ait un fleuve qui se jette dedans. Alors, Vekivan Shamar Melaaret, alors maintenant, puisqu'on a dit que la terre, elle était emplie, Vadai Shiyakavana Shinitmaleha Aliede Amemaleota, ça veut dire qu'elle se remplit par quelque chose qui va la remplir. Et ça, c'est quoi? C'est ça qu'on va appeler Tiferet. Shiwa Tiferet, Shiu Kolel Amarechet Ashlijit, donc qui correspond donc lui au troisième degré. Dehainu et sem atsefira veaketsavot, c'est-à-dire la substance même de l'épanchement des sirotes. Oui. Si vous n'avez pas le dernier degré, ça manque. Il y a quelque chose qui ne se produit pas. En tout cas, Veine atan imsauba pasukze arba halukot emarba marechot. Donc maintenant, on voit bien qu'on a dans ce verset et l'explication que le Zohar lui donne, on a donc quatre parties et donc quatre mécanismes, quatre stades qu'on va reprendre maintenant. Marechet Arishona, la première, c'est Chorma.
Vesham avayod ne'elemo tachlit elem. Et là-bas, tout est caché. C'est pour ça qu'on a dit tout dans Chorma. Mais si vous n'avez pas ce premier degré, vous n'avez rien non plus. Simplement, c'est un degré où c'est caché. C'est-à-dire, il faut que ça sorte, mais ça provient de là. Il n'y a pas une chose qui peut descendre en bas si elle n'a pas, si elle a pas sa racine en haut. Après, Umarechet Shenia, le deuxième degré, Imarechet Ashurashim, c'est le degré des racines. N'oubliez pas qu'il y a au début, c'est comme un arbre à l'envers. Non, parce que il a dit que les racines, c'est Bina. Donc la Chorma, c'est ce qui va être encore en dessous des racines. C'est de là dont proviennent les racines. À la limite, ça serait peut-être même la graine. Donc cette graine, elle va produire des racines. Et ces racines, c'est le deuxième aspect. Vi marichet ashurashim, vi abina. Et le verset y fait allusion par le mot Bemilat Asita. Par le mot tu as fait. N'oubliez pas qu'on avait dit que Kulam Bechorma Asita. Il avait dit tout dans Chorma, virgule, Asita, tu as fait dans Bina. Parce qu'il faut que ça sorte. Ve'en litmoa Alinyan Asiya Babina. Maintenant il dit attention, il dit tu peux me poser une question. Il dit comment est-ce que ce verbe de Asiya. Vous savez que des verbes qui indiquent le fait de faire une chose ou de créer, il y en a plusieurs. Pourquoi est-ce qu'ici, on a dit faire? On aurait pu dire bria, on aurait pu dire yetsira, on aurait pu dire d'autres verbes. Alors, il dit, pourquoi est-ce que tu dis que ici, la asiya, elle est liée à bina? Alors, il dit, c'est une bonne question. Mais ça, on verra dans notre fameuse porte, 20, dans notre porte 23, que Moshe Nevaer, Bécha, Arerkenim, comme on verra là-bas dans la porte des d'attribut à l'article action, maase. Ou marechet shlishit. Et maintenant, le troisième aspect, le troisième stade, i marechet a tiferet. Ça, c'est le côté de tiferet. Vein irmaz bemilat melea. Et c'est lui qui va indiquer, c'est lui le remplisseur. Quand on a dit que la terre, elle est emplie. Mais la terre, elle s'emplit pas tout seul. C'est-à-dire, si elle est emplie, c'est qu'elle reçoit de quelque chose qui va la remplir. Donc il dit, c'est pour ça que Tiferet, ça s'appelle Melea, selon la manière dont nous l'avons expliqué, les filles derrière chez Pirachnou. Ou Marechet, très vite, et le quatrième aspect, c'est la Malchut, qui elle va s'appeler la Terre. Vehi, et donc c'est quoi ce degré de la Terre? Vehi, le Otsiadvarim, à la Metsiam, les Mata, c'est ce qui va faire sortir les choses dans leur réalité en bas. C'est pour ça que des fois aussi dans la vie, tant qu'une chose, elle n'a pas été jusqu'au bout, bon, on peut pas savoir ce qu'elle est. Faut qu'on voit ce que ça va produire. T'as des trucs super. Mais quand tu vois à la fin ce que ça produit, tu te dis, bon, alors c'était pas la peine de faire tout ça pour ça. Tu comprends? Mais si tu vois, si à la fin, c'est pour arriver sur un fruit pourri, alors t'as rien gagné. Faut voir ce que exactement. Mais faut voir ce que ça va produire. Et donc c'est ça pour faire sortir les choses dans ce qu'elles vont être en bas. Et c'est ça que le Zohar il a dit, parce que elle après, elle va les faire sortir après. Alors pourquoi est-ce qu'il dit le Zohar il a dit après ou pirouche les bâtards, c'est-à-dire après qu'on a passé ces trois étapes. De hashta nicha de afikatlu les bâtards. Il dit parce qu'effectivement, maintenant tu peux comprendre que elle va produire ça après. Aval. Les mailles des salkadatin des michorma les malchut ou pireshapasu caché. Pourquoi? Parce que si tu avais lu le verset trop vite, tu aurais pu penser que directement ça va de chorma à malchut. C'est très simple. Le type, il a une idée, il t'appelle le matin, il dit, voilà, déjà, je suis en train, déjà, j'ai une idée, maintenant, je vais construire ma huitième maison. Tu sais quoi? Commence par une. Les gens, ils pensent que direct, il dit que tu aurais pu penser du verset que directement, ça va de Chorma à Malchut. Directement, tu penses à une chose et tout de suite, tu vas la faire. Non, tu vas voir, c'est plus compliqué que ça. Doucement, ça se fait pas aussi vite que ça. Pourquoi? Chez en marechet à malchut,
les achar maaret haroma. Pourquoi? Parce que la malchoute, elle ne peut pas se situer directement après haroma. Alors c'est vrai que dans le Zohar, on appelle malchoute des fois chorma tata. On appelle la malchoute comme étant la chorma inférieure. Très bien. Parce que finalement, parce que c'est là où la chorma, elle va prendre forme. Elle va, comme il a dit, où elle va faire sortir des fruits. Mais entre ça, il y a des étapes que tu peux pas sauter. Avalata. Chez Piresh, qui a Passou, Kouskarou, Gimel, Marichot. Mais maintenant qu'on a bien expliqué que dans le verset, il y avait donc trois aspects, qui sont Chorma, Bina, et les extrémités, les Ketsavot, qui sont différentes. Pourquoi est-ce que c'est ici au pluriel les Ketsavot? Parce que ce sont tous les chemins que ça va prendre. C'est tous les chemins, parce que le verset, il a dit « Kol anechalim olchim alayam ». C'est vrai qu'en général, on voit un fleuve qui rentre dans la mer, mais c'est faux. Des fois, c'est plusieurs confluents. Des fois, ça peut arriver de plein de côtés. Vous voyez, par exemple, les grandes mers qu'on a, il n'y a pas que la Seine qui se jette dans l'océan Atlantique. Veinu. Donc, je reprends. Parce que dans le verset, on a mentionné donc ces trois stades qui sont Chorma, Bina, et les Ketsavot et les extrémités qui sont différentes. Ve'ainu, et donc c'est ça, la malchut a fikat loun les bâtards, qui va les faire sortir après. C'est-à-dire après quoi? Ve'ainu, les bâtards chorma, bina et tiferet, kesidran dans l'ordre. Très bien. Alors, le voir, il rajoute maintenant un autre verset. Il faut reprendre, c'est très simple, comme on l'a dit, et les toldot hashamaim vares, voici quels sont les enfantements des cieux et de la terre, Be'Ibraham, lorsqu'ils ont été créés, et là-bas on a dit Behe Beraham, dans et son Beraham. Notez bien que le Ramak, il a quand même fait attention que dans le premier verset, nous avait dit Kulam Bechorma Asita, tu as fait, et là il y a marqué Behe Beraham, lorsque tu as créé. C'est pas pareil. Alors, donc maintenant ils disent, qu'est-ce qu'on veut comprendre de cette notion des enfantements des cieux et de la terre? Alors, Shamaim Varet, c'est connu que c'est Tiferet et Malchut. Are, Sheatoldot, Iefchar Liotam Varet, Imlo Aliede Shamaim, Shua Zachar, Amashpia Benekeva. Là-bas, on parle de quelque chose d'autre. Là-bas, on parle du fait que pour qu'il y ait des enfantements, faut qu'il y ait deux choses qui s'unissent. Les cieux et la terre. Masculin, féminin, Tiferet et Malchut. Et là-bas, on a dit Behi Beraham lorsqu'il les a créés. Alors, on a dit que Behi Beraham, on le coupait en deux. On a Behi Beraham. Donc, il les a créés dans le Pirouche. Qui a Falpi. Parce que bien que nous disions, Shianu Omrim, Shia Tiferet ou Malchut ou Lidou, que Tiferet et Malchut, ils vont engendrer. Vezeu atoldot fa'avayot, c'est-à-dire c'est ça les enfantements et ce qui va être créé. El kavanatenu sheshneem yachad. On ne veut pas dire que les deux ensemble, ayu me'avim otam shaveh be'shaveh, que ils sont en égalité et que ça correspond à un seul degré. Parce qu'il veut garder ces 4 degrés. N'oubliez pas, c'est très compliqué parce que nous on est sur un mode de 4. Yud Kev Vav Kev ici. Si maintenant tu passes à un mode de 3, faut que tu revoies la chose. Tu revois maintenant comment la chose elle va se faire. Il leur a dit attention, c'est pas du tout pareil là-bas. C'est pas qu'on est passé sur un mode comme ça. Pourquoi? Parce qu'on avait dit. Alors je reprends. Parce que c'est on a Shamaim qui est le masculin et Aretz qui est le féminin. Et il y en a un qui va influer ER et un qui est influé et participe passé. Bebera, Pirouche, qui a Falpichano Omri, parce que bien que nous disions que Tiferet et Malchut, ils ont enfanté, et que donc du coup il va y avoir des engendrements, on ne veut pas dire que les deux ils sont ensemble en égalité. Et là, Akavana, simplement on veut dire, Shia Tiferet, Im ketsevotav, que Tiferet, avec ses extrémités, mar'e apeulot, c'est lui qui va montrer les actions,
ou mashpiyam la malchut, et il va les influer dans la malchut, et ça, ça correspond à un seul degré. Pourquoi on dit ça? Que du coup, on dira que ça sera yud ke vav ke, et vav ke sont ensemble. C'est vav dans he et yud dans he. À la limite, c'est peut-être pour ça que des fois, à la limite, on pourrait passer sur un mode de deux, comme dans le nom IA. Quand on a yud ke, on a que deux. Mais ce he là-bas, c'est Tiferet et Malchut qui sont ensemble. Vers Malchut, mare otam le mata. Et la Malchut, elle va les montrer en bas. Vei marecha acheret. Et elle correspond à une autre configuration. Et c'est pour ça que le verset, il termine en disant, behe beraham, c'est-à-dire, il les a créés avec le he. Qui a beria, aya behe levada. Parce que la création, elle ne se fait que dans le he. Ou begin ou berinkar ba tiferet ba belem ba pasuk velo eskira tiferet pasuk, et donc c'est la raison pour laquelle dans le verset tiferet n'est pas vraiment mentionné. Ici tiferet c'est un passeur. Le verset il dit marabu masecha hashem kulam bechorma asita, ok, chorma asita malea ares kinyanecha, et la terre elle est pleine. Il manque Tiferet dans le verset. Il dit Tiferet, c'est simplement dans le fait que c'est lui qui va remplir la terre. Mais il n'apparaît pas. Donc il dit, le Zohar, il a ramené ça pour dire que s'il y a Malchut, c'est forcément que Malchut, il y a quelque chose qui va lui donner en elle. Qui aya rayou, chez Yomar, veshamaim, va res, maléou, kinera. Parce que normalement, le verset, il aurait dû dire Veshamaim va ares malukinanecha, et les cieux et la terre, eux, c'est eux qui vont remplir tes possessions. Or nous, on n'a que ares. Velama eli mashamaim bemilat malares ki depirach. Alors pourquoi est-ce que donc du coup on n'a pas mentionné soit Tiferet, soit les cieux? Et la vadai sheratza li shamer, parce qu'il n'a pas voulu qu'on fasse une erreur. Et la vada shiratza lishamer shelo navo lichlal taout lomar sheshamahim va'aretz hayu ma'avim eviyot yachat shneihem, pour pas qu'on pense que les deux ils agissent ensemble. Sheshneihem beyichud echad venimsa'u shneihem echad, et qu'on considère que ce n'est qu'un seul degré et que donc du coup il y aurait que trois degrés. Et c'est pour ça que le verset l'a dit, et la terre, elle est remplie de tes propriétés. C'est ça. C'est un degré, il est là, il n'est pas là. Il est là et il n'est pas là. En tout cas, dans le verset, c'était l'accent, il est mis, c'est vrai qu'il a raison. Il dit, d'un côté, dans le verset, l'accent, il est mis sur le rapport entre Chorma et Aretz, entre Chorma et Malchut. Et le reste, faut que tu le devines. Asita, tu comprends que c'est Bina. Et maintenant, il faut que tu comprennes que la terre, elle ne peut être remplie que parce qu'il y a quelque chose qui la remplit. Qui a Malchut, il m'arrêterait très vite. Parce que la Malchut, c'est elle, le quatrième degré. Mais Kemo, a Tiferet, ve Aketzavot, Atzman, au même titre que Tiferet et que Tiferet et les extrémités ensemble. Et ce qui remplit la terre, c'est Tiferet. Et les extrémités, c'est ça le troisième degré. Et donc c'est un troisième degré à part. Il dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce passage du Zohar. Et donc de là, il dit, c'est clair qu'on va apprendre cette notion des quatre paliers, des quatre degrés. Et il dit effectivement, on aurait pu trouver dans le Zohar de nombreuses autres preuves qui expliquent ce principe de 4. Et avec des preuves encore plus claires. Où les fiches mais simplement à chaque fois dans le Zohar, on explique un degré à part. Alors il dit par contre ici,
Achad ena ve achad ena. C'est-à-dire que des fois dans le Zohar, on explique une fois, soit un degré, soit un autre degré. Alors il dit, c'est pour ça que j'ai pas l'orainu le harir berayot. Il a dit, c'est pour ça que j'ai pas ramené tout ça différemment. J'ai préféré trouver un texte. Donc il explique pourquoi il a fait sa sélection des textes du Zohar. Et donc sa sélection, elle vient ici parce qu'il dit que tout ça se retrouve be ma'amar katsar ve nechmad ou matok, que simplement dans un passage qui est court, nechmad agréable ou matok, et qui est doux. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen. On reprendra la suite la prochaine fois. Amen.